sur toi le faire. Aller à la radio. Donner de l'espoir aux filles. Pour qu'il souffre. Mais que jamais il ne s'incline aux idoles. Qu'il ne prenne jamais la marque. Si ce temps passait, cela ne serait pas aussi long. C'est 7 ans. La vie. Jésus reviendra. Régner 1000 ans. Vous qui n'êtes pas parti l'homme ne cédez pas. Si on veut te tuer, qu'on te tue. Ben, le padre me dit qu'après les 7 ans, si tu meurs, à cause de la bonne nouvelle, il va te ressusciter. Et tu vas souper avec lui. Mais ceux qui n'ont pas cru, c'est après les 1000 ans de règne qu'ils seront ressuscités. Après cela, il n'y a pas le pardon divin. Car lorsqu'on t'amènera devant le grand trône blanc. Yes. Lorsqu'on t'amènera devant le grand trône, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a que le jugement. Le premier trône. Le trône de Christ. Si tu vas devant ce trône, il n'y a pas de jugement. C'est la pensée. Tu auras la rétribution. C'est le trône de Dieu. Là-bas, il n'y a pas de jugement. Tu n'iras pas devant le mauvais trône. Pourquoi on te juge? Là-bas, c'est directement en enfer. Je prie pour vous. C'est parce que vous avez accepté d'adorer le Dieu vivant. Vous avez la bonne récompense qui vous attend. Amen. Tu as la bonne récompense qui t'attend. Il y a un bon trésor, une bonne récompense. C'est pourquoi ne fais pas d'erreur. Ne retourne même pas en arrière. Sois ferme et inébranlable. Afin que ce jour nous puissions hériter de Dieu. Amen. Je te disais, tu ne feras pas partie de ce peuple qui se nomme Gog et Magog. Tu dois connaître Dieu et ta progéniture. Tu puisses les inculquer, Dieu. Les enfants. Ces enfants doivent connaître Dieu. C'est vraiment nécessaire que tu puisses hériter de Dieu et que ta progéniture soit Gog et Magog. C'est un danger. Ce peuple Gog et Magog sera utilisé par le diable Satan pour combattre le peuple de Dieu à la ville sainte. Mais ils le peuvent. Ils vont rencontrer le feu. C'est en ce moment qu'on va saisir Satan, l'emprisonner et le juger. Et ce peuple ira dans le feu ardent. C'est en ce moment que la terre va restituer les gens qu'il a eu à enfer. La mer va restituer les morts. Et on va les juger devant le grand trône blanc. Et ils iront en enfer. Voici la fin de toute chose. Et le ciel et la terre passeront. Où est-ce que tu te trouves? Ne trompe pas. Ne perds pas de voix. Si nous venons à l'église, ne regarde pas ton frère qui t'a offensé. Celui qu'on regarde, c'est Jésus. Tout ce que ton frère a fait, c'est pour ta formation. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce qu'on te fera. Et c'est avec cela qu'on te prisera. On te prisera. Et on te tuera.
ce que tu ne voudrais pas voir, ce que tu n'aimes pas, c'est avec cela qu'on te formera. Ta colère. Il voudrait connaître le poids de ta colère. Ils vont te piétiner. Ils vont mesurer, peser ta colère. Cette semaine, une personne m'a demandé de bénir sa portion de terre. Je suis une personne d'autre. Si je voudrais le faire, je le fais. Voici dans les contrées de Diablo. Mais les tours là, mais il y avait une voix. Je disais à la personne, parce que tu n'es pas libre de me conduire. Si arrivé sur le terrain, je t'appelle. Arrivé sur le terrain. Mais là, il y a de toi pour ton champ. J'appelle la personne, il ne décroche pas. Elle est calme. Mais il est en ligne. Mais là, il y a gaga. 40 minutes après. Jusqu'à la maison, il n'a pas encore quitté la ligne. Je m'étais vraiment énervé. Combien il me plaît? Combien? Mon argent que je dépense, ce n'est pas l'argent de prière. Les œuvres que j'ai accomplies, c'est ce que Dieu calcule. Et un jour, une personne vient me voir. Apôtre, je suis là pour te bénir. Mon enfant. Je m'étais énervé. Lorsque je m'étais énervé, 50 minutes après, la personne m'appelait. J'ai refusé de décrocher. Samedi, toute la journée, j'ai refusé. Ce matin aussi, il m'appelait. Lorsque je venais à l'église, Dieu me posait la question. Tu voudrais jouer? Veille à ce que tu m'échoues sur cette terre. Que les actes d'une autre personne ne te fassent échouer. Ne doute pas, mon enfant. Ce que tu ne voudrais pas faire. Ce que tu ne voudrais pas faire. Et tu seras tellement énervé. Mais cela doit s'apaiser. Cela doit s'apaiser. Pour ta bénédiction, ce que tu ne voudrais pas, c'est ce que la femme te fera. C'est ce que l'homme te fera. Et tu vas t'irriter. Si tu t'irrites, cela va attirer le malheur. Et tu auras l'échec. Je prends une vie. À partir de siècle aussi, moi-même, qu'aucun problème. Que les problèmes apaisent nos cœurs. Amen. Si Jésus. Personne. Personne. Ne peut le contredire. Alléluia.